là 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 là, je suis contente. C'est bon, j'ai fait tout. Enfin, le surplus là, j'ai fait le bikini à 2 jours. Là, je vais faire toutes les jambes, la demi-jambe. Mon Dieu, quelle souffrance d'être une femme. Bon, après, on s'inflige des trucs, c'est un peu de notre faute aussi. Hein, on n'est pas obligé de s'enlever les poils. Bon, j'en peux plus, moi. Bon, là, vraiment, je sais pas cette technique, je la connaissais pas, c'est vous. Alors, moi, ça s'appelle pas Paria Dubaï, mais vous m'avez dit que c'était cette technique, je savais même pas. Moi, à la base, j'avais fait le laser, le rond là, et là, on mettait lunettes et je fais tirant comme ça dans une clinique. Et ça, franchement, ça m'a enlevé le trois quarts, vraiment, je me plains pas. Mais il en restait toujours, et c'est pour ça que je change de technique et j'essaye celle-ci. Dites-moi vos retours, parce que j'ai envie de crever, ça fait mal, putain. Bon, je rentre chez moi le dimanche. Je me suis infligé ça un dimanche, quoi. Normalement, j'aurais dû être en repos, tranquille à la maison. Je me suis fait infliger ça, mais c'est bon. J'ai fait le plus difficile. Là, j'ai rendez-vous demain pour mes ongles. Peut-être qu'ils ont poussé de fou. Abusé. Je vous jure, quand je rentre, quand je voyage, etc., je dois tout faire. La gueule que j'ai. Avec soit cette ambiance Crocs. Pas vraiment. J'ai enfilé tout ce que j'avais de plus minable. Ce bouton, évidemment. Les règles arrivent demain. Je mâche comme une vache. Vous ne me voyez jamais mâcher des cheveux comme ce rare. Je déteste, on dirait une vache. Donc il me reste à faire un peu les cils, les sourcils. Il me reste quoi? Les ongles, et voilà. Et après, c'est bon. Oh, paye ta chaleur. Je crois qu'on est dimanche et je suis vraiment seule à faire des trucs le dimanche, quoi. Je vais vous dire, j'ai mon père au téléphone. Il est dans la chambre avec ma mère, mes frères, ma belle-sœur. Putain, c'est dur, les gars. C'est dur, c'est pas facile quand même. Mon père, il était vraiment pas bien aujourd'hui. Dans le sens là où il était triste, il veut rentrer à la maison. Il n'en peut plus d'être dans la maison de rééducation. Et voilà. Et il se rappelle pas de m'avoir vue. Il se rappelle pas que je sois allée en France. Il se rappelle pas du tout. Je lui ai dit, tu te rappelles pas, je lui ai envoyé en FaceTime et tout, je savais ma famille et tout, il se rappelle pas du tout. En fait, il a effacé complètement la partie hôpital de sa vie. Là, il est vraiment. Enfin, il se rappelle un peu de 2-3 trucs de l'hôpital. Là, il se rappelle la maison de rééducation, le trois quarts en fait. Comme il se rappelle pas vraiment de ce qu'il a eu et ce qui lui est arrivé, qu'il tombait du lit, qu'il pouvait pas marcher, que machin, etc. Ben, lui, il a l'impression que on le laisse dans une maison de rééducation et qu'il devient fou là-bas. Parce qu'il se rend pas compte de ce qui s'est passé avant en fait. Donc c'est vraiment pas facile quoi. Parce qu'il est vraiment pas bien moralement. Et moi ça m'a fait grave de la peine quoi. Qu'il se rappelle pas de m'avoir vu, que je sois descendue et tout. Alors c'est pas grave, mais c'est vrai que. Enfin, je sais pas, au moins une image ou un truc, mais pas du tout. C'est comme si j'étais jamais descendue quoi. Bon après c'est pas grave, il vaut mieux qu'il se rappelle pas de ce qui lui est arrivé, mais. Mais voilà, du coup, là, il a vraiment que la maison de rééducation et il a l'impression d'être là-bas et de ne pas pouvoir rentrer à la maison. J'espère qu'il va vite pouvoir rentrer d'ailleurs parce qu'il a fait plein de progrès. Mais bref, voilà, c'était pour les nouvelles. Voilà. Ouh là 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 là, on est très excités. Hein. Oh là 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 là. Liwen, depuis tout à l'heure, elle a le doudou de son frère. C'est qui va faire dodo et celui-là? Tu l'adores? Moi. Non, moi. Malone. Alors celui-ci, cette taille-là, tu l'as jamais calculé de ta vie, cette taille-là. Comme par hasard, Liwen, elle a un coup de cœur pour lui, tu le veux. C'est un truc de ouf quand même. Ouais. Cache-toi. Regarde-moi. Regarde-moi. C'est sur moi. Voilà. Voilà. Regarde.
Mylon, Liwen, est-ce que vous voulez dormir tous les deux ce soir? Oui. C'est vrai? Ça vous ferait plaisir? Non, pas avec nous, tous les deux. Vous dormez tous les deux ensemble dans ta chambre. Oui. Ça vous ferait plaisir? Oui. Liwen, tu veux dormir dans la chambre de Mylon? Oui.